Sous bord par le directeur général ministère commerce là Luc Espeka qui était présent dans l'université Kiskeya déclaré ministère à corré activité ça qui visait encourager jeunes écoliers et université yo mettre propre business yo campé. Responsable a dit li espérer salon entrepreneur yo a mener création plus business et puis ajouter ministère commerce industrie gen programme spécial pour aider jeunes universitaires qui diplômés yo développer entreprise yo. Luc Espeka a apporté plus de détails. Le ministère du Commerce a une participation très imposante et très remarquée dans la deuxième édition Salon de l'entrepreneur. Parce que d'abord, c'est nous-mêmes qui chargés pour nous faire promotion de l'entrepreneuriat. Et non seulement que nous chargés pour nous faire promotion, mais nous gagnons à la fois et, politique là, et instrument de promotion de l'entrepreneuriat. Donc, c'est parce que nous mettons dans la deuxième édition, le ministère du Commerce, en première phase, à concevoir des programmes. Et actuellement, pour gagner au fin de concevoir, nous gagnons des instruments, les outils de promotion de l'entrepreneuriat que nous mettons en place. Et c'est ça qui justifie que nous avons une présence massive et nous avons une part extrêmement active et très forte dans le deuxième salon, dans la deuxième édition du salon de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, deuxième bagaille, sur présence Jovenel Moïse, de l'ANA AgriTrans, c'est intéressé à qui a un problème qui fait le paquetant là à temps pour le devine faire exposer sur. Projet novateur, que lui-même concept novateur d'entreprise franche que le mettait sur pied pour la production agricole, une zone franche industrie agricole dans le département du Nord-Est. Mais nous pensons, demain si Dieu veut, on a bien avalé, un peu plus tard aussi, et la vienne parler d'expérience là dans le dernier jour qui c'est demain. Ensuite, l'autre bagage que je dois souligner, c'est que non seulement on a pour parler d'expérience que le gagne avec accompagnement effectif de l'État pour le café entreprise là, qui c'est un mode d'encouragement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et aussi de l'entrepreneur. Donc c'est à cause de tout bagage ça, instrument ça que nous possédons, nous besoin pour tout grand public d'entrepreneurs, aspirants entrepreneurs et hommes d'affaires, ils ont même saisi d'instruments ça pour mettre, transformer projet que vous avez en réalité, que nous-mêmes, nous avons une présence massive ça, dans le salon de l'entrepreneur.